Les déclassés. Dmitri Mamine-Sibiriac. 1. Il fait un temps affreux depuis le lever du jour. On dirait qu'une force surnaturelle remue la terre, en extrait toute la boue emmagasinée dans ses entrailles et la vomit sur le sol gluant. Le ciel, couvert, est d'une couleur terne et les nuages bas rampent au ras des toits. Les piétons s'embourbent profondément. De la boue, partout de la boue, toujours de la boue, encore de la boue. Toute la ville de Propadinsk semble vouloir se dissoudre en ce marais boueux. C'est comme si le ciel eût absorbé toutes les eaux sales de la ville pour les répandre à flots dans les rues. « C'est dégoûtant !» fit Bashka de sa voix cuivrée en regardant la rue à travers les carreaux embués du cabaret. Dehors, tout se noie dans un brouillard épais. Des flocons de neige fondent dans l'air et tombent doucement sur le sol en le détrempant de plus en plus. En un instant, la neige collée aux vitres intercepte le jour et plonge le cabaret dans une pénombre. « Voilà ce que le bon Dieu nous envoie !» dit sur un ton tranquille le patron de Plevna, un gros moudjik, le visage troué de petites véroles, vêtu d'un veston de velours. Il se nommait Ivan Vassilievitch. Mais souvent, par colère, ses clients l'appelaient plus brièvement « Vanka K1 ».« Un Bashka, qu'en dis-tu? En voilà-t-il une affaire ?» Bashka ne répondit pas au cabaretier. Il tendit ses longues jambes en avant, découvrant ainsi ses chaussures éculées, débris de vieilles bottes veuves de leur tige. S'accoudant sur son bras velu, il laissa retomber sa tête sur sa poitrine. Et l'on put apercevoir quelques cheveux blancs parmi les boucles châtaines de sa lourde chevelure embroussaillée. Ses vêtements râpés ne pouvaient plus supporter les réparations. Sa redingote graisseuse, taillée à l'ancienne mode, avec manches étroites et larges collets, était déchirée sur toutes les coutures. Et son pantalon de drap gris, montrant la trame, menaçait de se séparer de lui en dépit des larges pièces cousues aux genoux. Ce costume lamentable préoccupe fort peu d'ailleurs notre héros. Depuis son lever, une autre pensée l'obsède. Se procurer le petit verre dont il éprouve si grand besoin par ce lendemain d'ivresse. Son cœur se contracte comme sous la morsure d'une sangsue, lui tirant le sang goutte à goutte. Un insupportable malaise envahit ce corps d'athlète, pénètre ses os et ses muscles, et cette idée fixe ne quitte plus son cerveau. Un brouillard d'ennui voile sa large figure carrée, barbe massive, sourcils épais, nez aplati. Seuls ses petits yeux gris pétillent de convoitise. « Le diable ne m'enverra personne » marmonne-t-il en regardant la porte qui s'ouvre et se referme sans cesse. « Quel sale temps !» Pour éviter la neige, beaucoup de gens entrent au cabaret de Plevna. Mais ce ne sont que des inconnus, cochers, vieux soldats, paysans du marché, ouvriers. Tous en entrant font sur le parquet de larges flaques de neige fondues. Secouant leur bonnet couvert de flocons, ils s'avancent en jurant vers le comptoir. Le cabaretier suffit à peine à ses nombreux clients. Il remplit minutieusement les petits verres et ne pose plus l'énorme bonbonne qu'il tient à deux mains. Le nectar délicieux diminue à vue d'œil, par suite de ses nombreuses tournées. Des « Ah !» de satisfaction sortent des poitrines robustes et emplissent la salle. Les gros sous pleuvent sur le comptoir.
et Van Kakaan trône à son poste tel un chef d'orchestre à son pupitre. « Quel froid !» s'exclame un cocher, gaillard, solide, tandis qu'il s'approche du comptoir et cherche sa bourse sous le pan de sa houppelande. Puis, les yeux fermés, il engloutit son petit verre d'un trait. Plein d'envie, Bashka fait des efforts sur lui-même et se détourne avec dépit de cette scène émouvante, ce qui ne l'empêche pas de deviner le baume de l'alcool en la poitrine de ses heureux. « Dire qu'il ne pensera pas à m'offrir un petit verre, » continue-t-il à songer amèrement. « Rien qu'un petit verre, pour me remettre. » Et le cœur de Bashka se gonfle de haine contre l'hôte, oubliant l'ivresse de la veille. « Ah, quelle face d'écumoire, ce ladre de Caïn! Il sait pourtant que je le lui payerai plus tard. Pah, Satan va !» Et pour comble d'ennui, pas un ami ce matin. Que font-ils donc? Ni Coquelic, ni Cornilitch, ni Trouba. Personne. Placé au centre de la ville, en une impasse donnant sur le marché du blé, Plevna est le cabaret privilégié de Propadinsk. Il se compose, outre le vestibule, d'une grande salle mal éclairée, avec au fond le comptoir du patron. Derrière, une petite porte accède à deux autres pièces plus petites et réservées aux habitués. Ceux-ci s'arrêtent rarement au comptoir et ne font que traverser la grande salle pour se rendre là où ils sont chez eux. Dans le cabaret proprement dit, se pressent des clients de passage qui, après avoir bu, vont prendre place sur le large banc malpropre le long du mur où ils mangent à leur aise le morceau de pain qu'ils apportent. En ce moment, seule la grande salle est occupée. Parmi ce brouhaha et le continuel va-et-vient, l'oreille de Bashka perçoit dans le vestibule un léger bruit. Ses pas pressés lui sont bien connus. C'est Cornilitch qui arrive enfin. En effet, la porte donne passage à son ami, vêtu d'un veston et coiffé d'une légère casquette. De tournure alerte, le nouveau venu salue le cabaretier, puis disparaît dans la pièce voisine, suivi de Bashka. « À peine en ai-je réchappé, » raconte Cornilitch clignant des yeux de côté, « et je n'ai fait que deux parties. À la deuxième, j'ai légèrement poussé la bille avec ma manche. » J'ai été pris et proprement arrangé. Ah, c'est coup de poing dans le dos. Et je ne te dis que ça. Et toi? Bon, je devine. Fichtre, ça ne va pas. Cornilitch enfonça ses deux mains dans les poches de son pantalon et se mit à marcher à petits pas comme les garçons de café. Son veston était tacheté de neige fondue et une épaisse vapeur montait de ses épaules. Est-il lâche ce Vanka? Cria Bashka en une pose tragique au milieu de la pièce. Ce coquin cornu sait bien ce que l'on souffre. Et il ne lui viendrait pas à l'idée de nous offrir une gorgée, le contenu d'un dé de femme. Pour ça, mon cher, tu n'as pas raison, affirma Cornilitch. Comment veux-tu qu'il nous offre à boire à tous? Et que deviendrions-nous sans Vanka? Nous péririons tout simplement, comme de misérables larves. Bashka se soulagea d'un gros juron, mais donna raison à Cornilitch. Celui-ci, en toutes circonstances, cherchait à excuser les gens, même si sa propre personne était en jeu. Il avait la mine chiffonnée, très éveillée, l'air bon enfant. Ses cheveux en brosse l'avaient fait surnommer le hérissé. Pas fier, il savait l'art de faire connaissance et d'entamer conversation. C'était le bout en train indispensable en toute bonne compagnie. Et la neige ? Demanda Bashka, absorbé en de nouvelles combinaisons. « La neige ! Avec ce sacré temps ! Mais elle nous aveugle ! J'en ai plein mon collet ! À propos, tu n'as pas de tabac ? Eh bien, ce n'est pas la peine, on s'en passera. » Malgré l'air vicié de la salle, ses murs affaissés, humides, malpropres, son plancher maculé et sale comme dans une écurie, malgré l'atmosphère saturée des miasmes et odeurs spéciales au cabaret, le hérissé, content d'être tiré d'affaire, goûtait le bien-être relatif de la douce chaleur. À plein poumon, il absorbait cet air vicié, imprégné de l'âcre senteur du goudron, de l'alcool, de l'ail et du tabac. Quelques chaises disjointes, une table de bois blanc meublait seule ce salon réservé. « Tiens, les amis sont déjà là !» s'exclama en entrant un homme vêtu en paysan, trapu, les épaules larges, la barbe rousse, l'œil louche et clignotant, ce qui lui donnait l'air suspect. « Quel temps de chien ! Et dire qu'il faut battre cette marmelade gluante sans rencontrer âme vivante !»
Avec ça, une faim de loup, les enfants. Pas de quoi fumer, et le drôle vient nous parler mangeaille, riposta Bashka sur un ton de mépris, sans cesser d'arpenter la pièce à pas furieux. Dis donc, tu n'as pas rencontré ce coquelic ? Ajouta-t-il. Si, mais pour lui aussi c'est un mauvais moment. Allons-nous, par hasard, nous laisser mourir comme ça ? Voyons, Trouba, essayons de trouver un joint, dit le hérissé de sa voix doucereuse. Va chez Cain, va chez Cain, mon vieux. Peut-être se laissera-t-il faire. Qu'en dis-tu ? Tu lui expliqueras la chose, n'est-ce pas ? Cette proposition rendit Trouba rageur. Il enfonça les doigts dans ses cheveux, se frotta la nuque comme pour en tirer un expédient, cligna plus fort son œil louche, puis secoua la tête négativement. Un pénible silence accueillit cette mimique, et l'apparition de Coquelic lui-même ne put tirer ses amis de leur accablement. Le nouvel arrivé était très jeune encore, de teint verdâtre, avec des yeux caves et luisants de fièvre comme tous les phtisiques. Sans mot dire, il s'affaissa en un coin encore essoufflé de sa course. On n'y prit pas garde, et pendant un moment, la tristesse et l'abattement poignèrent le petit groupe, comme il arrive aux gens qui, tout d'un coup, se voient égarés dans une forêt noire. Au moment critique, c'était d'ordinaire l'ingénieux Bashka qui sortait ses amis de peine et trouvait l'issue. Mais lui-même, aujourd'hui, se laissait gagner au marasme. À côté, dans la grande salle, le choc des verres se mêlait au soupir d'aise exhalé par les buveurs chaque fois qu'une nouvelle goutte du délicieux breuvage mouillait leur gorge. Et cette émouvante mélodie, ce bourdonnement spécial d'une foule devant un comptoir de cabaret, envahissait bruyamment le salon réservé. « Y mettent-ils assez d'entrain, les canailles ?» fit Bashka, les dents serrées, en ramenant sur ses yeux sa casquette crasseuse, déformée et aplatie sur ses cheveux comme une crêpe du Mardi Gras. « Eh bien, camarades, restez là. Je vais essayer. Peut-être aurai-je de la chance. » À peine Bashka eut-il disparu que tous les amis se ranimèrent et chacun le criait. « Allez, notre Bashka, c'est entendu. Ah, celui-là n'est pas entrepris. Il ferait jaillir des sources d'un roc. Vrai, c'est une tête d'or. » En son âme de Cain, l'aubergiste lui-même fut pris d'un remords quand Bashka, l'air tragique, passa devant lui. « Par cet affreux temps tout de même, je ferais bien de lui offrir un verre, » pensa-t-il tout en servant la pratique. Puis, un souvenir pénible remonte du fond de son cœur. Bashka avait offensé sa maîtresse, et notre homme revint sur son premier mouvement. « Non, c'est bien fait. Il peut prendre des airs. Laissons-le languir. » Après tout, c'était une bagatelle. Akulina le priait d'allumer le samovar. « Ah, il n'y a pas de danger. Toujours l'orgueil qui ronge les hommes. Ces messieurs sont des lettrés, des savants, s'il vous plaît. Ah là là, avec toute votre science, pataugez bien dans la boue. Ça fait du bien aux gens qui ne veulent pas voir le monde comme il est et qui ont la mémoire trop courte pour se souvenir des bons offices. » 2. L'état désespéré dans lequel se trouvait Bashka lui avait suggéré une idée ingénieuse. Pour la réaliser, il lui fallait se rendre à l'autre extrémité de la ville, et c'était un moyen auquel il n'avait recours que dans des moments absolument critiques. « Au diable ! » criait-il dans la rue, tandis que ses pieds s'enfonçaient profondément dans une boue glaciale. Le temps était de plus en plus mauvais. Les bouffées pénétrantes de la bise lui brûlaient la peau. La poussière de neige qui tourbillonnait affectait en tombant différentes formes géométriques, aiguilles ou petites étoiles de glace qui remplaçaient les gros flocons. Les rues de Propadinsk, si boueuses il y a un instant, présentaient maintenant une surface blanche et trompeuse, où les pas enfonçaient dans des flaques comme dans des pièges. Bashka, cherchant où poser le pied, s'y embourba tout à coup. Et alors, il eut du mal à se tirer du margouillis où ses chaussures restaient envasées. Subitement, il s'arrêta, et tout perplexe, se demanda ce qu'il fallait faire. Puis, prenant une résolution héroïque, il réenfonça de nouveau ses pieds dans ses chaussures remplies de ce mélange glacial de boue et de neige, et parvint à les dégager. Il continua son chemin en faisant claquer ses semelles sur les planches qui formaient le trottoir. Pour arriver à son but, il avait encore une longue distance à franchir. Après une demi-heure de cette marche pénible, à bout de force, il se sentit défaillir. Son énergie l'abandonnait, et un instant, il eut l'idée de retourner se réfugier sous le toit hospitalier de Plevna.
Il regrettait amèrement d'avoir agi trop à la légère en le quittant. Mais il triompha de cet instant d'abattement et résolument se ramassa sur lui-même pour concentrer sa chaleur et garantir sa nuque de la neige qui lui tombait dans le collet. Comme un vrai loup, il se mit à courir. Le voilà devant une auberge tenue par un certain Zoboun, qu'il fréquentait parfois. Il ne jugea pas opportun d'y faire une halte. Préoccupé d'un tout autre objet, il se hâtait d'arriver à son but. Il avait encore à peu près une demi-verse à parcourir. Les belles maisons en pierre qui appartiennent aux riches commerçants de Propadinsk se groupent au centre de la ville. Autour, de tous les côtés, s'éparpillent les constructions en bois. Enfin, vers le périmètre de la ville, sur les confins de ces faubourgs, s'étalent les hameaux composés des plus misérables huttes qui rappellent par leur assemblage bizarre des nids d'hirondelles collés les uns sur les autres. La maison de Lomotine, marchand de bétail en gros, est la seule construction en briques du quartier et forme un contraste singulier avec son entourage. C'est vers cette maison que se dirige notre Bashka. Lomotine, autrefois simple paysan, enrichi dans le commerce, est mort tout récemment. Ses héritiers célèbrent ce matin une cérémonie commémorative. La veuve du défunt va généreusement distribuer l'aumône et on peut espérer une bonne aubaine. Bashka avait donc une raison bien fondée de s'y rendre, pour attraper les quelques sous dont il n'avait grand besoin que pour boire. Tendre la main, fallait-il qu'il soit réduit à toute extrémité pour en arriver là comme aujourd'hui ? Une foule considérable se pressait déjà devant la maison de la veuve, lorsque Bashka y parvint. Devant le portail, le concierge, un vrai bulldog, mettait une grosse barre de bois en travers de la porte. Et un à un, les visiteurs entraient, obligés de baisser la tête pour franchir le seuil. Cette masse humaine ne représentait qu'un tas de haillons, se remuant, se pressant pour gagner d'assaut chaque pouce de terrain, devant la porte. Au milieu de ces assaillants, on entendait des injures lancées par des voix enrouées, des gémissements de vieillards, des cris de femmes, des piaillements d'enfants qui étaient autant de soupirs douloureux. Bashka, qui faisait queue au dernier rang, prit la résolution d'attendre patiemment son tour de passer sous la barre. Perdu dans ce milieu de gueux dont les traits n'ont plus rien de l'image de Dieu, il ressent pour eux un profond dégoût. Même dans sa chute, il se voit résolument au-dessus du niveau de ces débris humains. Cependant, il aperçoit parmi ces malheureux quelques personnes qui ne lui sont pas inconnues. Un vieillard à la tête toute blanche, courbé par l'âge, joue des coudes d'un air arrogant pour essayer de gagner du terrain. Ce fut un magistrat. Il occupa une situation qui le mettait en vue. Dans ses beaux jours, à l'apogée de sa grandeur, il allumait son cigare avec un billet de banque. La boisson le perdit et maintenant il vit d'aumône. Vient ensuite un homme au teint brun, à la barbe fraîchement rasée, qui a la réputation d'avoir été riche jadis. En effet, il avait hérité d'environ 50 000 roubles qu'il se hâta de dissiper dans le plus bref délai. Puis, c'est toute une armée de figures étranges qui sortent d'on ne sait quelle bouge. Des femmes à l'aspect effrayant, à la face flétrie, ratatinée, à l'œil méchant, inspirant avant tout la méfiance. Ces créatures avinées ne vivent que de mendicité. Et tous, mendiants de profession, vont quémander à domicile, sur les parvis des églises, au marché, chez les bourgeois lorsque la mort les visite. Les loques et les haillons sont leur décorum, et comme l'enseigne qui attire le client chez l'artiste ou le marchand. Sait-on dans cette foule où finit le haillon, où l'homme commence ? Non, ce sont là des ruines vivantes. Ces hommes se sont eux-mêmes transformés en guenilles. Attendant que son tour vint, Bashka dut stationner une heure entière au milieu de cette foule. Les membres engourdis, grelottant, il avançait lentement. En vain, il essayait de se réchauffer en battant de la semelle. Il était à bout du calorique animal mesuré à tout organisme humain. Ses dents claquaient, et comme il regardait le concierge, cet homme bien nourri, à la face ronde, qui semblait prendre un malin plaisir à laisser passer lentement ceux qui étaient enfin arrivés, il se sentit envahir par une haine féroce contre lui. Ce portier, d'une voix criarde et sifflante, insultait ces malheureux en les repoussant d'un air méprisant. « Arrière !» leur commandait ce serviteur trop zélé en étalant son gros ventre qui masquait la porte. « Arrière ! Sans quoi je vais prévenir Amfusa Parthenovna qui elle-même vous fera déguerpir d'ici. Allons, arrière donc, ou je vous balais. Mais va donc,
Ne fais pas ton personnage. Tu n'es pas un si gros légume, lui répondit une petite vieille bonne femme à la figure d'oiseau, très vive dans tous ses mouvements. Nous ne venons pas chez toi. Vas-tu continuer longtemps sur ce ton ? Reprend le concierge en pesant ses paroles d'un air indolent. Voici Amfusa Parthenovna, qui est sur le perron. Enfin, c'est le tour de Bashka. D'une main, il se tient déjà à la barre, tout en affectant de ne pas voir ce détestable concierge dont l'aspect seul l'énerve, comme le loup affamé s'irrite en voyant un chien de garde bien nourri. Le sentiment pénible d'humiliation que Bashka éprouve en ce moment l'excite davantage contre ce portier qui n'est absolument pour rien dans toute son histoire. Il voudrait l'avoir sous la dent pour le mettre en pièces. Il porta ses regards dans le fond de la cour et son attention se concentra sur la confortable installation du riche. La cour fraîchement sablée est d'un ton chaud, jaunâtre, qui égaye l'œil. Les annexes de la maison sont solidement bâties. Un chien de garde est enchaîné dans sa niche, près des magasins. Un fringant cheval est attelé à une voiture toute brillante de vernis. À gauche, un perron vitré et sur ce perron, à l'abri du vent et de la neige, se tient Amfusa Parthenovna elle-même. Vêtue d'une riche pelisse de renard et d'un geste grave, elle tend la part de chaque pauvre à mesure qu'il avance vers elle, en lui répétant chaque fois sa phrase stéréotypée. « Va, mon cher ami, prie pour l'âme de Siméon et de ses parents. » À ses côtés, deux vieilles femmes coiffées de mouchoirs en coton brun, brochées de semis d'œillets, encombrent le plancher de leur personne. « Passeras-tu enfin ?» cria le portier à Bashka qui bâillait aux corneilles. Celui-ci se courbait déjà pour passer sous la barre lorsqu'une femme à l'œil poché, la tête en avant, se rua vers l'entrée et peu s'en fallut qu'elle ne devançât Bashka. Mais celui-ci, la saisissant au collet, la rejeta vivement en arrière comme un paquet de chiffons. « Voilà une fichue figure qui veut passer avant son tour. Où vas-tu si vite ? » grommela-t-il en courant vers le perron. Après avoir reçu son aumône, il se dirigea vers la porte opposée en serrant fortement dans son poing l'argent qu'Amfusa Parthenovna lui avait remis. À cette porte se trouvait le cocher, un grand gaillard vêtu d'un caftan en cuir chargé de reconduire les solliciteurs. Dans la rue, Bashka compta la somme dont il était possesseur. Il avait reçu 50 kopecks. Ce résultat le récompensa largement de toutes les souffrances qu'il s'était imposées. 10 minutes après, il entre dans le cabaret de Zoboun. Une foule de mendiants l'y avait devancé et déjà les sommes distribuées passaient dans le comptoir du débitant. Ce gros cabaretier a un énorme goitre. Malgré son embonpoint, il est aussi alerte à son travail que Vanka Kain à Plevna. Et chaque fois qu'il emplit le petit verre d'un nouveau client, il répète la formule. « Va, prie pour l'âme de Siméon et de ses parents. Amfusa Parthenovna a beaucoup trop de générosité pour vous. Et ça fait bien votre affaire, 50 kopecks par tête. »« Bah !» s'exclame Zoboun en apercevant son vieil ami Bashka. « Tu en es aussi, toi ?»« Oui !» Tu le vois ? Bon, tu n'as pas besoin de faire une dissertation sur ce sujet. Je suis tout engourdi. Serre-moi ! Bashka prit deux petits verres coup sur coup, afin de se réchauffer. Mais l'alcool ne produisit pas sur lui son effet bienfaisant habituel, et il dut prendre un troisième verre. Au moment même où, d'une main tremblante, il portait ce verre à ses lèvres, la petite femme à l'œil poché surgit à ses côtés, en le poussant du coude avec insolence. « Ah ! Te voilà encore ! Espèce de figure !» cria Bashka d'un ton furieux, et déjà il levait le bras sur cette assommante créature. « Tu veux donc que je t'écrase comme une mouche ? Oh oh, quel homme terrible !» minauda la figure d'un air coquet, et elle lui rit au nez avec une effronterie sans pareille. « Voyez donc ce fier à bras qui veut batailler avec les femmes ! Eh bien, approche, essaye donc !» Et pour conclure, elle lâcha quelques paroles ultra choisies du jargon de cabaret. Elle savoura le petit verre de balsame vert qu'elle se fit servir et s'essuya les lèvres avec le bas de sa robe crottée en riant d'un air cynique. « Ah, mon pauvre Bashka, tu t'en prends à une grenouille !» lui dit Zoboun en grimaçant un sourire. « Cette femme saura te répondre. Sa langue est tranchante comme un rasoir. » Bashka se jeta sur la figure un regard dédaigneux, plein de mépris, et s'en détourna avec dépit. En général, il détestait les femmes comme certains individus appréhendent les souris, les cancrelats ou les punaises. Il subissait en ce moment un sentiment d'humiliation de s'être compromis au point de se disputer avec une femme. Précisément, ce geste involontaire de répugnance excita la figure. Même dans sa chute, quelque profonde qu'elle fût,
Elle ne pouvait renoncer à la logique d'une jolie personne habituée à se voir l'objet de l'attention générale des gens dont elle reçoit les hommages. En effet, en arrêtant le regard sur ce visage gonflé, ses paupières enflammées, ses yeux troublés de larmes d'ivresse, ce nez enflé, ses lèvres luisantes d'un coloris bleuâtre, on aurait eu grand-peine à croire que ce fut là dans le temps une très jolie femme. Le costume qu'elle portait était d'une apparence lamentable. Son corsage défraîchi n'avait plus de couleur. Sa jupe d'indienne était tournée d'un côté, un débris de vieux châle lui servait de coiffure. Elle avait aux pieds des bottines éculées. Après avoir absorbé deux verres de son balsame, la figure alla s'asseoir sur le banc à côté de Bashka. Elle étendit en avant ses pieds en montrant la cheville nue et une partie du mollet rond et blanc. « Malédiction ! Anathème ! » jura Bashka en bondissant du banc. « Que me veux-tu donc ? Ah ! Finiras-tu une fois tes grossièretés ? Manant que tu es !» lui répondit la figure sur un ton différent, en prononçant ses paroles avec calme et fermeté. Et prenant Bashka par le bras, elle le réassit de force près d'elle. « Dis-moi, qu'est-ce qui te rend si rageur ? Fumons plutôt une cigarette. Cela vaudra bien mieux. J'ai du tabac. » Bashka se détourna et cracha en signe de dégoût. Cependant, il accepta la cigarette. Il se sentit envahi par un singulier sentiment de curiosité. Il lui semblait qu'il connaissait cette femme éhontée depuis longtemps déjà. Et il éprouva même un certain plaisir d'avoir été retenu par elle, tout en continuant de l'injurier violemment dans sa pensée. Il voulut partir de suite pour se rendre en toute hâte auprès de ses amis qui l'attendaient au cabaret de Plevna. Et malgré lui, sa langue balbutia. « Figoura Ivanovna, voudrais-tu prendre encore une goutte de balsame ?»« Oui, si tu veux me tenir compagnie. Sans cela, je n'accepte pas. » Alors, pour Bashka, tout se passa comme dans un brouillard. Les petits verres se suivaient et Bashka sentit une douce chaleur se répandre dans ses veines. L'engouement s'empara de lui. Il riait comme un fou. Il chantait avec sa nouvelle connaissance. Ils quittèrent ensemble le cabaret de Zoboun. En cheminant dans les rues, Bashka devint galant, empressé auprès de sa dame, lui prêtant le bras pour passer les endroits boueux ou difficiles. « Allons plutôt chez Vanka Khan, » proposa Bashka. « Là, nous sommes chez nous, » dit-il à sa compagne en zigzagant de tous côtés. « Mes amis de là-bas sont de braves garçons. » « Les connais-tu ? Le hérissé, le coquelic, le trouba. Non, tu ne les connais pas ? Eh bien, si tu ne les connais pas, je dois avouer que tu ne connais personne. » En marchant bras-dessus, bras-dessous, Bashka haussait les épaules sans se douter du froid glacial qui lui pénétrait dans tout le corps. « Il faut nous procurer encore de l'argent, » dit la figure. « Je sais bien où il y en a. Veux-tu venir ? Il y a encore deux maisons où l'on célèbre aujourd'hui l'office des morts. » 3. Les hôtes habituels de la salle réservée de Plevna ont passé une très mauvaise journée, attendant avec une grande anxiété le retour de Bashka. Ennuyés, ils ont tué le temps à se rappeler différentes anecdotes qui démontrent l'ingéniosité de leur ami. Puis, ils ont commencé à grogner et à jurer contre lui parce qu'il les faisait languir trop longtemps pour les tirer d'embarras. Enfin, tous sont restés silencieux, comme des gens qui sentent que leur dernier espoir va leur échapper. À la tombée de la nuit, Vanka Khan lui-même en eut pitié et leur envoya un panier de pain noir et d'oignons. « Notre Bashka aura été conduit au poste de police, » dit à plusieurs reprises Kornilitch. « Il sera rentré chez un marchand de vin pour se réchauffer, il aura pris un petit verre, et quoi d'étonnant que l'ivresse l'ait gagné par ce froid. Cela est arrivé souvent. » Et, comme pour confirmer en partie la supposition de Kornilitch, Bashka, dans un complet état d'ivresse, apparut sur le seuil du cabaret. Nos amis furieux s'apprêtaient déjà à lui adresser d'amers reproches pour les avoir fait poser si longtemps, quand, ahuris, ils restèrent comme paralysés en apercevant derrière Bashka la silhouette de sa nouvelle connaissance. « Messieurs, je vous présente... voilà une femme !» Figoura Ivanovna. Un morne silence accueillit cette présentation et les amis feignirent de ne pas la voir parmi eux. La face de Vanka Khan, ricanant, surgit devant la porte. Derrière son épaule, sa maîtresse Akulina, d'une haute taille, au corps osseux, à large face carrée, dépourvue de toute expression,
présentant l'aspect d'une pelle emmanchée, fixait la nouvelle venue d'un œil sombre. « A-t-il de la veine, ce Bashka ?» dit Vankakin de sa voix rauque. « Vous a-t-il joué un tour ?»« C'est bien fait. Bravo » continua-t-il en se réjouissant de la scène qui se passait sous ses yeux. « Que faites-vous donc là, tous muets comme des catéchumènes ?» fit la figure en s'adressant à l'assistance. « Êtes-vous engoué ? Faites-vous la chasse aux mouches ?» Déconcertés, honteux d'eux-mêmes et surtout de Bashka, nos amis firent la sourde oreille à cette provocation. Bashka, épris de sa folie, se livrait à des bravades. C'est encore un refuge quand on se sent fautif. Prenant un air dégagé, et comme pour leur jeter un défi, il s'attabla à l'écart avec sa dame et se fit servir une bouteille d'eau-de-vie. Ces malheureux se distinguaient par une subtilité excessive de sentiments, avec un tel raffinement de leur état psychologique que pour s'entendre, ils n'avaient nullement besoin de la parole. Un signe, un geste leur suffisait. Leur protestation muette était donc pour Bashka plus sensible que ne seraient les injures et les voies de fait. La figure, dont le cynisme était sans bornes, ne s'attendait pas, évidemment, à une pareille réception. Le sourire impudent de l'ivresse errait toujours sur ses lèvres. « Permettez-moi de vous servir, Figura Ivanovna !» dit Bashka en affectant de prendre un air aimable pour narguer ses amis. « Et toi-même, comment t'appelles-tu ? Je ne le sais pas encore !» questionna la figure, faisant mine de ne rien comprendre à ce qui se passait autour d'elle. « Je m'appelle Bashka !»« Un très joli nom, Bashka !»« Oui !» Un élève de séminaire, n'est-ce pas ? Oui, oui, dans le temps, j'ai connu beaucoup de séminaristes. C'étaient de charmants garçons, et qui ne lâchaient pas prise lorsqu'il s'agissait de boire. Avec un geste de pudeur, elle redressa sa robe tournée de côté, cacha ses pieds crottés, et gardant le silence, elle s'efforça de prendre l'air sérieux d'une personne comme il faut. Malgré cela, son visage enflé se dilatait en un détestable sourire qui choquait Bashka lui-même, et lui produisait l'effet d'une brûlure causée par un fer rouge appliqué sur son corps. Mais, dans son stoïcisme, il voulut aller jusqu'au bout et montrer du caractère. Trouba, Kornilich et Skoklik se pressèrent dans un coin comme pour imiter les derniers Romains. Ils conservaient l'air de gens de bonne société, connaissant les règles de l'étiquette. Ils s'entretenaient à demi-voix de sujets différents comme s'ils se trouvaient chez un ami décédé, ou auquel un grand malheur serait arrivé. Un événement inattendu mit fin à cette pénible situation. Une scène émouvante se passait au comptoir entre le cabaretier et sa maîtresse. Frémissante d'abord, elle éclata en sifflements de rage à l'instar d'un serpent, se répandit en injures et finit par sangloter. « Bien que je ne sois pas ta femme légitime, piailla-t-elle, en agitant ses longs bras dans l'air, je te dirai cependant que tu n'as pas un brin d'esprit. » Est-ce que nous allons laisser longtemps entrer des femmes comme ça dans l'établissement ? Mais cette salope va voler tout ce qui lui tombera sous la main. Est-il possible de la surveiller continuellement ? Il faudrait que je sois vraiment damné pour supporter dans cette maison toutes les traînées de la rue. « Veux-tu fermer ta gueule, espèce de corneille ?» reprit grossièrement le cabaretier, bien qu'il ne le fît que par convenance pour montrer à ses clients sa fermeté de patron. « Attends, je vais joliment t'arranger. Que je commence ? Tu verras si je te mets en miettes. Hey, frappe-moi, frappe donc. Mais jamais je ne souffrirai qu'une coureuse de rue vienne ici donner des ordres, criait Akulina d'une voix à tout rompre, comme si l'on eût voulu l'assassiner. Quoique nous ne soyons pas en règle, comme la loi l'exige, il faut cependant qu'il y ait de l'ordre dans la maison. Mais je vais lui arracher les yeux à cette sale créature. Tu sais ça, voilà. À ton Bashka lui-même, je mettrai le visage en sang. Cet orageux épanchement d'Akulina créa des complications nouvelles dans la situation déjà très tendue de Bashka. La maîtresse de Vankakin, tout affolée qu'elle était, eut cependant l'approbation des assistants qui se rangèrent de son côté sans hésiter. La pensée d'une lutte imminente à coups de poing s'agita dans la tête grisée de Bashka, et déjà ses mains crispées s'allongeaient sous la table. Il jeta des regards de défi du côté de ceux qui, il n'y a que quelques instants, étaient ses meilleurs amis. « Écoutez-moi, Bashka, allons-nous-en !» lui proposa sa compagne en se levant. « J'ai encore à faire ce soir. Médaillon m'attend. »« Qui est ce médaillon ?»« Tu vas le voir de suite, toi-même. »
La boisson étant payée d'avance, notre couple se dirigea solennellement vers la sortie. Comme il arrivait à la porte, Akulina s'élança sur la figure, et de sa main de fer, la saisissant par l'épaule, elle la poussa brutalement dehors. « Akulina, peste de femme ! Veux-tu lui ficher la paix ?» intervint le patron. Bashka jeta le hurlement de l'ours atteint d'une balle de fusil, mais sa compagne, le prenant par le bras, l'entraîna vivement dans la rue. « Est-ce la peine de s'en prendre à une imbécile pareille ?» dit-elle en cherchant à l'apaiser. « Ce n'est pas loin d'ici. Nous arriverons de suite. Donne-moi ton bras. C'est ça. C'est ainsi que vont dans les rues les dames du monde. » La figure riait dans l'obscurité de son rire enroué, tandis que Bashka marchait silencieux à côté d'elle. Les rues sont plongées dans une nuit profonde. On ne peut distinguer aucun objet. Quelques misérables réverbères, placés au coin des carrefours, brille à peine dans cette obscurité. La neige a cessé de tomber, le froid est plus vif, plus pénétrant. Dans le lointain, on entend les glapissements d'un chien sans gîte. Un morceau de tôle arraché par le vent tombe avec bruit sur le trottoir. L'ivrogne attardé traverse la grande place en essayant de chanter, mais sa voix ne fait entendre qu'une sorte de mugissement sourd. Là, un cocher sommeillant sur son siège retourne lentement chez lui après avoir fini sa journée, et le veilleur des rues fait sa tournée en frappant des coups de baguette sur sa planche. Notre couple marche à tâtons. Au bout de 20 minutes, il arrive dans une impasse étroite et déserte. « C'est ici !» dit la figure, en s'arrêtant devant une maison de bois qui tombait en ruine. Ils entrent dans la cour et descendent ensuite dans un sous-sol humide et glacial, comme un tombeau, où ils pénétrèrent difficilement. La figure fait flamber une allumette pour allumer un bout de chandelle enfoncé dans le goulot d'une bouteille. Cette lumière vague permit néanmoins à Bashka d'examiner le lieu où il se trouvait. Ce fut jadis la cuisine de la maison. De petites fenêtres protégées par des grilles de fer, pareilles à celles d'une prison, donnent sur la rue. La porte, toute déchiquetée, ne tient que par un gond. Dans le fond, sur des chiffons entassés, se dessine la silhouette d'un homme endormi, à la face blême et décharnée. « Médaillon, lève-toi, mon ami, nous avons une visite !» dit la figure en se penchant sur l'oreille du dormeur et en le poussant de côté et d'autre. « Vas-tu donc te lever enfin ? C'est manquer de politesse que de recevoir ainsi son monde. Regarde-moi un peu cette bête curieuse que je t'amène. »« Ah, c'est toi, Milotchka ?» balbutia Médaillon en se levant lentement de son grabat. « Quel est donc cet animal si curieux à voir ?»« Milotchka, j'ai un horrible mal de tête. Pourrais-tu me procurer une petite goutte d'eau de vie ? Hein ? Qu'en dis-tu ? Es-tu gourmand, Médaillon ? Une petite goutte. Mais où veux-tu que je la prenne ? Bon, bon, ne pleurniche pas, tu vas l'avoir. Je t'apporte aussi de quoi manger. En attendant, permets-moi de te présenter notre hôte, Monsieur Bashka. Médaillon était un jeune homme de 23 ans, blond et svelte, avec un long cou, des yeux bleus au regard d'enfant. Ses épaules osseuses et sa poitrine enfoncée lui donnaient l'air d'un ascète. « En voilà un crevé !» pensa Bashka avec mépris en regardant cet étrange individu. « C'est un véritable ténia !» Pendant ce temps-là, la figure s'empressait de servir un morceau de foie de bœuf avec une bouteille d'eau-de-vie. C'était un excellent dîner. Il y avait de quoi manger pour les trois convives. « C'est vraiment curieux, » dit la figure, en découpant le foie en tranches avec un tronçon de canif, « d'avoir été expulsé d'un cabaret. On ne me trouvait pas assez convenable. Je ne suis donc pas assez bien élevé, même pour un cabaret. Fif, que c'est dégoûtant. Oh, Dieu de Dieu, jusqu'où sommes-nous tombés ? Maintenant seulement je ressens l'outrage. Ce n'est même pas un outrage, c'est du dégoût pour moi-même. » Après avoir avalé deux petits verres, Médaillon reprit ses sens. Il mangea de bon appétit sa tranche de foie et dit sur un ton d'emphase comique. « Sic transit gloria mundi. Domine. Tu connais le latin ?» s'exclama joyeusement Bashka en lui tendant la main. « Un peu. C'est que Médaillon a reçu une médaille d'or en sortant du lycée, » ajouta fièrement la figure. « Dans ce monde-là, on donne le surnom de Médaillon à tous les médaillés. » « Ah !» fit Bashka. « C'est comme chez nous au séminaire. On donne au lauréat le surnom de Bashka, et j'ai la malchance d'être de ce nombre. Nous sommes donc collègues. » Et,
En souriant, ils se pressèrent la main, gardant un sérieux silence. Connaissance faite, plus intimement liés, ils choquèrent leurs verres et ils se racontèrent mutuellement leur vie. L'odyssée de Médaillon ne fut pas longue. Fils de parents riches ruinés, il avait brillamment fini ses études au lycée. Mais lorsqu'il s'agit de se servir de son instruction pour se créer une carrière, il échoua partout. Et de chute en chute, il dévia du droit chemin. Cependant, il est sur le point de pouvoir espérer obtenir une place, étant recommandé par un personnage influent. Pour moi, il ne s'agit que de l'avoir, cette place. Alors, je ne songerai plus à la boisson. Avec Milotchka, nous reprendrons une existence régulière et charmante. N'est-ce pas, chérie ? Conclut Médaillon. Cela va de soi. Oui, une vie charmante, répéta machinalement la figure en baissant la tête. Savez-vous ce qui nous a tous perdus ? Reprit Bashka avec un air profond. C'est notre amour-propre, rien que notre amour-propre. Tout le système de notre éducation repose sur ce mot. C'est le sentiment qu'on nourrit en nous dès notre enfance. Je le sais par moi-même, et c'est là le sort fatal qui attend tous les lauréats. Déjà corrompus dès notre sortie de l'école, nous nous croyons des hommes supérieurs. Et voulant le rester, la vie doit se dérouler devant nous dans des conditions spécialement favorables. Parce que nous ne saurions végéter comme les masses populaires aux prises avec la misère. La destinée de ces masses ne saurait pourtant nous épargner. Manquant de force et d'énergie, nous descendons graduellement sans un appui pour nous arrêter. C'est notre chute. Et qu'est-ce que nous faisons pour nous protéger nous-mêmes ? L'orgueil nous étreint, l'ambition nous dévore. Nous nous heurtons à chaque pas, vexés dans notre amour-propre. Et c'est alors que nous demandons à l'ivresse, à la débauche, des instants d'oubli. Triste consolation ! N'est-ce point juste tout cela ? Ce n'est que trop juste, appuya Médaillon. Et nous sommes trop nombreux, hélas, continua Bashka. À qui donc pouvons-nous imputer notre chute dont la société entière est responsable ? Quand tout le monde est en cause, personne n'est en cause. On ne saurait accuser la transmission d'une machine qui brise le bras de tel individu ou qui broie tel autre. Tout ce qui existe a sa raison d'être, ergo, a droit à l'existence. Le fait s'impose et il est au-dessus de toutes les lois. Oui, et si je dis que nous sommes perdus à cause du système défectueux de notre organisation sociale, ce n'est qu'une façon de parler. C'est une forme que j'ai choisie pour me rendre compréhensible. On peut commenter les faits, mais il serait puéril de s'en fâcher ou de s'en réjouir. Il n'y a qu'un seul point de vue où l'on puisse embrasser le résultat des faits et des causes. Ce n'est que lorsqu'on les envisage du point de vue philosophique. Que tout cela est scientifique, soupira la figure, les yeux lourds de sommeil. Et en effet, 5 minutes après, elle dormait déjà, bercée par les paroles savantes de ses lettrés. Elle rêve au théâtre de province maigrement éclairé, avec son médiocre orchestre et son public composé de petites gens. Elle se voit apparaître sur la scène en jupon court, en maillot de coton. Et courant à la rampe, elle s'entend chanter d'une voix vibrante l'air qui produit une grande sensation. Le public l'applaudit, en admirant aussi ses jambes qui, vraiment, sont d'une beauté rare. On lui offre un gros bouquet. Heureuse et souriante, elle respire les pétales embaumés des fleurs, envoie son plus gracieux baiser au public et s'envole de la scène, disparaissant derrière les coulisses. 4. Les cabarets de Propadinsk sont nombreux. On en voit de toutes sortes. Chacun d'eux a une physionomie particulière. Le cabaret de Zobun est réputé pour un repère de voleurs de chevaux et de bois. Le cabaret Yamka est le rendez-vous des mendiants. Il en est encore de plus mal famé, sans compter les bouches fréquentées par les escrocs et les voleurs à la tire. Plevna se distingue par sa clientèle de gens du monde appartenant aux professions libérales. C'est là que l'on rédige les pétitions des paysans. Le notaire y vient chercher des témoins munis de passeports, et dans ce cabaret de privilégiés, on joue les jeux de cartes distingués, tels que la Stukolka, la Trinka, les trois feuillets. On entend de la musique, on chante, et on est sûr de trouver une bonne société lorsqu'on veut s'amuser. Avec un soin méticuleux, le cabaretier évite le scandale, éloigne les escrocs. Aussi la police, rassurée à cet égard, ne descend chez lui que très rarement. Ce caractère particulier de Plevna est dû à son heureuse situation, presque au centre de la ville, et surtout au grand talent d'administration
et à la perspicacité de Van Kakaen lui-même. Jadis, ce cabaret avait connu de beaux jours. Mais ensuite, il était tombé en décadence et Van Kakaen le prit au moment le plus critique de son existence. Par ses talents d'administrateur, son flair de cabaretier, il sut le relever, ce dont il était très fier. Ses prédécesseurs avaient échoué parce qu'ils n'avaient pas son astuce. Car il ne faut pas s'y tromper, le métier de marchand de vin, si simple en apparence, n'est nullement facile et demande un certain tact diplomatique. Bien entendu, la comptabilité embrouillée de ce commerce est au premier plan et exige une habileté toute spéciale à cause de ses côtoiements délicats avec la police et la régie. Mais le plus important est de conserver une parfaite cordialité dans les rapports avec la clientèle multiforme. Lorsque Van Kakaen prit la direction de l'établissement, Bashka lui fit cette sorte de conférence. « C'est ça, oui. Fais-toi bien l'idée que nous ne sommes perdus qu'à vos yeux de cabaretier, que dans notre conscience, nous ne le sommes que provisoirement. Le dernier des ivrognes garde au fond de son cœur une profonde conviction qu'il ne s'abandonne à ce vice que momentanément, mais qu'il se relèvera et reprendra une vie plus honorable que ne l'amènent ceux qui n'ont jamais bu. Comme de juste, chacun de vous en buvant son petit verre espère en finir et se dit à lui-même que ce sera le dernier, ajouta Vanka sur un ton de philosophie. Tout cabaretier que nous sommes, nous savons aussi voir les choses. Très bien, il faut donc que tu comprennes ceci. Remarque-le bien. On ne peut s'enrichir et retirer de gros bénéfices qu'en exploitant les malheureux. Ce ne sont pas les richards qui viendront grossir ta caisse, ce ne seront que de pauvres diables comme nous. Je te dis tout de suite pourquoi. Primo, les richards sont peu nombreux. Secondo, le riche fait toutes ses provisions en gros, en temps opportun, par conséquent à bon marché, tandis que le pauvre vit au jour le jour, dépensant au fur et à mesure ce qu'il gagne, achetant au détail ce qu'il vous paie le double. Et dans vos mains habiles, les petits sous amassés ne tardent pas à former un capital. Trouves-tu tout cela juste? Donc, note-le bien, si tu étais versé dans les mathématiques, je pourrais t'expliquer encore ce que c'est qu'une quantité infinitésimale qui ne peut plus être mesurée. Eh bien, ces quantités infinitésimales accumulées forment des montagnes. Oui, mon ami, c'est ainsi, et c'est précisément ce qui se produit tous les jours dans votre commerce. Parbleu! Et chacun son métier! Il y a cependant une chose que je ne peux comprendre. Quand vous vous mettez à raisonner, vos paroles coulent de source et vous apportez beaucoup de logique dans votre jugement. Mais dans la vie pratique, c'est autre chose. Vous êtes embarrassé de vous-même. Avec tout votre savoir, vous ne savez rien faire de vous. Il y a des moments où ça fait pitié. Avec tant d'instruction et tant d'esprit, quelle belle carrière ne pourrait-on embrasser? Mais, grand Dieu! Ceci, mon cher Ivan Vassilievitch, est une question qui n'est nullement à ta portée. Et tu ne devrais pas y toucher. » Bashka devint bientôt la main droite de Van Kakaen dans toutes les affaires importantes de son établissement, et en même temps, une sorte de vache à lait dont il tirait régulièrement revenu. En effet, c'était Bashka qui donnait le ton à Plevna. Il y était un personnage influent. Il se fit une spécialité de la profession d'avocat qui lui rapportait parfois des sommes assez rondelettes. Il s'empressait alors de s'habiller correctement, mais il ne tardait guère à se défaire de ses effets. Il comptait de nombreux clients parmi les commerçants et les ecclésiastiques qu'il exploitait avec une adresse peu commune. Et c'est de Plevna que sortait la masse des pétitions qui encombraient les différentes instances des tribunaux. Il figurait encore comme témoin dans tous les actes de deux notaires de la ville. Bashka gagnait ainsi au minimum 1 rouble par jour. Mais, dans cette vie agitée, il y eut des périodes stériles où il demeurait des semaines entières sans toucher un copec. Alors, toutes sortes d'aventures lui arrivaient. Et c'était précisément quand il pouvait disposer d'une somme d'argent assez forte qu'il allait la dépenser de suite et qu'il s'adonnait à l'alcool, jusqu'à se dépouiller de ses vêtements et à ne plus être en état de se présenter chez le notaire. Alors, Van Kakaen le tirait d'embarras sans laisser échapper une belle occasion de lui faire chaque fois de vives remontrances. Et, tout en gardant au fond du cœur une grande admiration pour ses talents, il ne se faisait pourtant pas scrupule de faire peser sur lui sa main de Caïn. Les autres habitués de Plevna se groupaient autour de Bashka. Kornilitch, ancien commerçant ruiné, était un fort joueur de billard. Vivant de sa réputation, il passait nuits et jours dans les cafés, épiant l'instant favorable où il pourrait exploiter chaque joueur. Et, retournant à Plevna, il y dépensait tout son gain à faire bombance. Grand viveur, prodigue, dépensier incorrigible,
il éprouvait le besoin de faire du chic en dépensant l'argent. Pas très buveur, il aimait à passer ses loisirs à Plevna, uniquement pour se trouver en compagnie d'une personne aussi distinguée que Bashka. Trouba était un paysan déchu. À Propadinsk, il avait inventé une industrie toute spéciale. Très affable, il sut attirer les moudjiks qui venaient au marché et ils formèrent sa clientèle. Toujours porteur d'un jeu de cartes, il le gardait soigneusement dans l'une de ses poches. Dans une autre, il avait un gros sou ingénieusement fabriqué. C'était son secret. Il ne s'en servait que dans les moments opportuns et jamais il ne l'exhiba à Plevna. Voici comment il s'y prit pour le truquer. Il le lima à la moitié de son épaisseur en laissant intact le côté qui portait l'inscription, fit des trous sur la surface travaillée et y versa du mercure. Puis il le souda avec la moitié d'un autre sou auquel il laissa l'effigie de l'aigle. Dès qu'il voyait dans un cabaret un individu légèrement éméché, il l'entraînait pour l'engager à jouer aux cartes ou au jeu de pile ou face. Et c'est alors qu'il avait recours à son fameux sou, ne courant plus les risques de perdre, car immanquablement, cette pièce devait retomber du côté le plus lourd. Et alors, il portait son gain illicite chez Van Kakaen, où il se mettait à boire en paysan, jusqu'à ce qu'il eût complètement mis à sec sa bourse. Qui était Skoklik? Il ne le savait pas lui-même. Très timide, inoffensif, il se laissait tout dire et tout faire sans jamais tenter de protester. Son existence était énigmatique pour ses amis eux-mêmes. Il savait seulement qu'il jouait de la guitare et qu'après de grands efforts, il était parvenu à jouer même des airs d'opérette avec deux bouchons qu'il se mettait entre les dents. Kornilitch et Trouba exerçaient sa patience, et Bashka lui-même ne se faisait pas faute de s'en servir comme d'un commissionnaire lorsqu'il avait des demandes de secours à porter et dans bien d'autres cas. Bref, ce Skoklik n'avait pas d'initiative propre. Il était heureux de rendre service et ne pouvait agir que sous l'impulsion d'autrui. Akulina parfois s'attendrissait sur lui et lui reprochait sa timidité en disant « Que tu es bête, mon pauvre Skoklik! Tu te laisses mener par le bout du nez! Fais donc comme les autres !»« Nous sommes de petites gens, Akulina Mirevna. Nous allons à petits pas !» lui répondait Skoklik tout troublé en tirant timidement les manches de son paletot. Nos amis ne se privaient pas d'exploiter à leur tour la clientèle du cabaret. Et c'était jour de fête lorsque le grand monde de Propadinsk venait se griser à Plevna jusqu'à pouvoir y retourner ses poches bien garnies à l'entrée. Lorsque les parents inquiets venaient chercher les absents pour les emmener, ils éclataient en injures qu'ils adressaient à Van Kakaen en le menaçant de la police. Le cabaretier, en secouant avec un certain chic ses longs cheveux pommadés, prenait un air doucereux et poli en leur disant « Que voulez-vous ? Je ne les force pas à boire. Et quant à vos menaces, permettez-moi de ne pas en tenir compte parce que j'ai ma patente. Vous pouvez porter votre plainte si cela vous plaît. » Van Kakaen était un homme de tact. Il avait surtout le sentiment des mesures, le génie de la pénétration. Il traitait les gens suivant leurs valeurs et à cette subtilité de sens se rattachait encore une bonhomie tout à fait russe. Certes, Vanka était une parfaite canaille dans son commerce, mais dans son intérieur, c'était un tout autre homme. Il avait plutôt l'air d'un père de famille. Il passait pour être humain aux yeux des vagabonds qu'il hébergeait et qui le servaient dans son ménage ou soignaient son cheval. Bashka lui-même ne se sentait pas froissé de sarcler son jardin potager. « Crois-tu donc, Ivan Vassilievitch, lui disait Kornilitch attendri par l'alcool, que j'irai passer mon temps dans un autre cabaret que le tien ?»« Ah, non ! Non, non, mon vieux ! J'ai quand même le sentiment de ma dignité !» Crois-moi, si je viens chez toi, c'est parce que je t'estime. Oui, je viens ici comme chez un père. Voilà. Il faut cependant faire remarquer une particularité de Plevna. C'est que dans ce milieu, on était tenu de garder un sévère décorum, qu'on eût en vain cherché autre part. Ici, on devait observer rigoureusement tout un rituel de bon ton. Il était absolument défendu à une femme de passer le seuil de l'établissement. De nombreuses raisons amenèrent l'établissement de cette loi draconienne que Bashka venait d'enfreindre pour la première fois, car lui-même, ne supportant pas les femmes, avait contribué à les exclure du cabaret. Akulina Mirevna, qui en sa qualité de femme détestait toutes les femmes, se chargeait de faire observer cette constitution de bonnes mœurs. Van Kakaen gardait la neutralité. Soumis à sa maîtresse, il la laissait faire, surtout dans les périodes critiques où il levait un peu trop le coude en absorbant sa propre marchandise. On comprend donc aisément l'indignation provoquée dans l'assistance par l'apparition de la figure. Et lorsque la porte du cabaret se referma sur elle,
il y eut un concert d'approbation adressé de toutes parts à la cabaretière qui avait eu une attitude belliqueuse dans cette affaire. « Bravo, Akulina Mirevna !» lui criait-on de tous côtés, comme s'il s'agissait d'une grande victoire. « Désormais, Bashka doit être parmi nous plus méprisé que Mazepa lui-même. C'est un véritable Grishka au trépief !» L'opinion surexcitée au dernier point prononça sans appel le verdict contre Bashka, sans circonstances atténuantes. Seul Van Kakaen éprouva un remords de ne pas lui avoir offert à temps un petit verre, cause de tout le mal. Mais il ne voulut faire part à personne des remords secrets de cette faute qui ne retomberait qu'indirectement sur lui. « Cet homme a-t-il donc perdu la tête ?» pensait Van Kakaen pendant qu'il servait sa clientèle. « A-t-il imaginé un tour ? Qu'avait-il donc besoin d'amener ici cette peste de fille ? Fallait-il qu'il fût bête d'aller choisir une traînée pareille ? Bon Dieu, est-il donc possible qu'il y ait de telles créatures en ce monde ?» Dès le lendemain, Kornilitch donnait sur la figure des renseignements les plus détaillés, recueillis dans tous les cabarets où cette femme n'était que trop connue. En fumant son cigare bon marché, il commença son récit avec un air fin. « C'est une fille noble, soigneusement élevée par ses parents. Elle a mal tourné. On la vit sur les planches d'un théâtre, dans les cafés chantants et enfin courant de cabaret en cabaret. Et de bravade en bravade, elle contracta l'habitude de se griser. Vous avez pu voir jusqu'où elle est arrivée. Zobun m'a conté comment elle s'est emparée de Bashka. C'est horrible ce qui s'est passé là. Si vous saviez quelle est l'astuce de cette femme, c'est simplement une pierreuse. Dieu nous en garde. Cette sacrée coureuse mérite d'être pendue, dit un autre. Les conversations de ce genre ne pouvaient cependant apporter aucune consolation à nos amis qui se ressentaient tous de l'absence de Bashka, comme si la roue principale de l'engrenage eût été enlevée. Et, pour comble de malchance, le cabaret avait été assiégé de clients qui venaient demander la rédaction de pétitions et d'actes de procédure. Mais Bashka ne brillait que par son absence. « Le bruit court qu'il s'est noyé !» répondait Van Kakaen avec un sinistre sourire, quand il était pressé de questions par ses pétitionnaires illettrés. 5. 8 jours après, accompagné de médaillons, Bashka se présenta inopinément à Plevna, où il reprit sa place habituelle, comme si de rien n'était. Ses anciens amis le regardèrent de travers, mais Bashka, d'un air dégagé, avec l'astuce qui lui était propre, affecta de ne pas s'en apercevoir. « A-t-il de l'audace, cet homme ?» se dit Akulina Mirevna. « Il a sûrement une secrète pensée. Ce n'est pas pour rien qu'il retourne par ici. Et il a su trouver moyen de se vêtir tout battant neuf. Espèce de chien ! Où as-tu donc ramassé tout cet argent ?» Bashka, en effet, était dans une tenue tout à fait correcte, chaussée de bottes neuves avec un pantalon neuf et un pardessus ouaté très propre, quoique acheté d'occasion. Sous un léger veston, médaillon grelottait de froid à côté de lui. « Tu sais que nous avons porté ton nom sur la liste des noyés ?» lui dit Van Kakaen, en déposant sur la table une grande bouteille d'eau-de-vie. « Beaucoup de gens sont venus te demander. Je leur ai exprimé toute ma profonde douleur, car il est cruel de s'en aller à la fleur de son âge, et pour comble, sans faire pénitence. « Laisse-moi tes blagues de côté !» dit Bashka en lui coupant la parole. « Tu vois, je t'amène un bon client !» « Eh bien, nous sommes toujours honorés de recevoir d'honnêtes gens. L'argent ne suffit pas pour faire son chemin. Il nous faut encore des hommes de mérite comme toi. » Médaillon fut soumis à un examen critique d'où il sortit triomphant, et il ne tarda guère à s'attirer la sympathie de tous. Akulina Mirevna elle-même se prononça en sa faveur, disant qu'il ferait bien la paire avec Skoklik. Vers le soir, étant pris d'alcool, Bashka entama une longue dissertation avec Médaillon sur les matières philosophiques, et Van Kakaen fit remarquer à sa maîtresse que Médaillon était bien au-dessus de Skoklik. « Il faut l'entendre discuter. Que de science, c'est cet homme. Notre Kornilitch est un beau parleur. Ceci est incontestable. Mais tu aurais vu comme lui-même restait là, bouche bée. » Ce soir-là, en effet, Bashka était en veine d'esprit. Tout préoccupé de son nouvel ami, il cherchait avec une grande affectation à saisir toute occasion de lui être agréable, ce qui était encore un sujet de vexation pour ses anciens amis. Il y a toute une série de faits qui sont en dehors de la logique, mais que l'on admet par habitude, disait Bashka. Par exemple, la société ne veut pas nous faire une place parmi ses membres, elle a honte de nous, et cependant,
nous sommes un phénomène qui, nécessairement, doit se produire dans cette organisation sociale. Et j'affirme que nous autres, nous envisageons les choses avec plus de justesse, car d'après la doctrine de l'utilitarisme, nous avons échangé les biens matériels contre quelque chose de plus essentiel, et nous sommes à même de nous désaltérer, si je puis m'exprimer ainsi, à la source de la vie, tandis que les autres ne peuvent que s'approcher de cet idéal. Arrivés à cette hauteur de contemplation philosophique, toutes les misères de la vie humaine nous paraissent simplement ridicules. « C'est très juste !» approuva Médaillon en enfonçant les doigts dans sa blonde chevelure. « Les hommes ont beaucoup de peine à se défaire de leurs préjugés, surtout lorsque ceux-ci se rattachent à leur train de vie. Seulement, mon éducation philosophique a été négligée au lycée, et je ne saisis pas très bien les nuances de ta philosophie. Le mal n'est pas si grand. Je vais corriger ce défaut de ton instruction, » dit Bashka, en secouant ses longs cheveux bouclés. « Je te dis carrément que je me sens peu de goût pour cette sèche instruction que vous recevez dans vos lycées. Ma foi, vous avez beaucoup de connaissances et des connaissances solides. Mais elles pêchent par la base, vous n'avez pas le pli philosophique. Chez nous, séminaristes, la cervelle a dû subir le tannage, pour ainsi dire. Ha ha ha, c'est que la vie, mon ami, est une chose qui n'est pas facile à comprendre. Et surtout lorsqu'il s'agit de faire voir non seulement le bon bout de la pièce, mais encore son extrémité défectueuse. Il ne suffit pas de contempler la vie dans son appareil de parade. » Et ici Bashka cita un verset de la Bible à propos de l'or et de l'agneau. « Et ceci se produit certainement dans le monde, » conclut-il. « L'or, c'est ce que nous étions avant d'avoir reçu l'instruction, et l'agneau en est le résultat. Sais-tu que récemment encore, lorsque sous un froid intense je battais la boue dans la nuit, pieds nus, n'ayant pour tout vêtement qu'une chemise, que tous mes membres étaient raidis et glacés, dans mon imagination passaient et repassaient les citations grecques et latines d'Ovide, de Cicéron, d'Homère. C'était là une ironie cruelle, mais singulièrement instructive. Je riais, je me moquais de moi-même. À quoi bon, me disais-je? Pourquoi tout cela? La vie veut l'intégralité de l'homme. Elle le veut fort d'esprit et de volonté. Et nous, nous cherchons à prendre part au grand festin en y apportant nos deux ou trois phrases latines que nous répétons comme des perroquets. C'est seulement ici, dans ce plevna, que j'ai la conscience d'être un homme. Et encore, je sens un ver rongeur qui me dévore les entrailles. Il y a des moments où je suis terrifié par cette dissonance qui donne le ton général et à laquelle je contribue. Ce Van Kakaen est un homme équilibré, parce que sa bêtise est sans limite. Il appartient à l'espèce des marsupiaux ou des pachydermes, et ses cheveux, pour sûr, viennent directement de sa cervelle. Médaillon s'étendit en théorie sur le même thème inépuisable. Seulement, il ne pouvait pas admettre que la cruelle logique de Bashka fût appliquée à tous les cas. Se repliant sur lui-même, avec son air malade, il frissonnait nerveusement sur sa chaise au moindre sifflement du vent hurlant dans la cheminée. On était au mois d'octobre. La gelée, ayant pénétré les couches supérieures de la terre, en formait une sorte de croûte, et partout s'étalait une légère couche de neige que l'on aime tant à contempler de sa fenêtre lorsqu'on est dans une chambre bien chauffée, et que dans sa garde-robe, on possède une pelisse bien fourrée pour braver les intempéries. « Dis donc, quel déplorable et chétif organisme que le tien !» s'indignait Bashka chaque fois qu'ils étaient dans la rue et que Médaillon transi de froid claquait des dents. « Regarde-moi ! On dirait que je suis taillé d'une seule pièce dans un roc. » Dans le temps, Bashka, de même que les autres habitués de Plevna, couchait dans une petite pièce qui se trouvait au fond de la maison. Ou bien il allait chercher un gîte de nuit dans un bouge quelconque. Maintenant, il disparaissait chaque soir en compagnie de Médaillon. « Il va coucher avec sa belle, qui n'a pas l'aplomb de se présenter ici pour nous montrer ses beaux yeux effrontés, » disaient les amis de Plevna, en haussant dédaigneusement les épaules. La figure était malade et alitée dans son sous-sol. Bashka et Médaillon lui apportaient de quoi se chauffer et se nourrir, et pour trouver les quelques copecs qu'ils dépensaient pour elle, il leur fallait battre la ville. Pour cette femme, Bashka changea du tout au tout. Maintenant, il la soignait comme un enfant, à sa guise, d'une façon brusque, à la séminariste bien entendu. En le voyant faire, on aurait pensé qu'il allait la battre. Mais cela ne l'empêchait pas de passer au chevet de la malade les longues nuits d'automne s'éternisant dans le silence profond de la ville endormie. Il s'était chargé d'amener le médecin
et c'était lui qui avait trouvé le moyen de fournir les médicaments. Il procura un matelas et une couverture à sa protégée. Et comme il avait encore à s'occuper de Médaillon, pour lequel il s'était senti une très grande affection dès le premier jour, il devait travailler sans relâche. La figure, les yeux fermés, gisait sur son lit et semblait ne reconnaître personne. Consumée par une fièvre intense, toute la nuit, elle s'agitait, en râlant, en poussant de sourds gémissements. Heureux de la soigner, Bashka lui mettait des compresses froides, prenait sa température, lui faisait prendre les médicaments. Les deux amis aimaient à passer ces longues veillées dans la chambre de la malade, près du foyer clair, lorsque le bois pétillait gaiement dans le poêle et qu'une douce et bienfaisante chaleur se répandait dans le sous-sol. Assis l'un près de l'autre, ils s'abandonnaient alors, en véritables philosophes, à une contemplation muette. « Quelle chose curieuse que le feu !» disait Bashka d'un ton méditatif, en contemplant le jeu des flammes. « C'est un élément de la nature, un symbole de la purification, le prototype du foyer domestique, la plus grande découverte de l'homme préhistorique, le plus actif agent que possède le travailleur moderne. » Médaillon citait des auteurs grecs et latins qui donnent des notions sur l'origine du feu, et Bashka se plongeait dans une rêverie et repassait dans sa mémoire les souvenirs de sa jeunesse. Il ne conservait qu'une vague image de son père et de sa mère, tous deux enlevés par l'épidémie colérique qui sévissait en 1848. Son oncle le mit au séminaire, et depuis lors, Bashka se vit abandonné à lui-même. Ce qu'il eut à souffrir pendant les 12 années qu'il passa au séminaire. La faim, le froid, toutes les privations, toutes les misères possibles formèrent son caractère et en firent un véritable Bashka. Sous quels différents aspects n'a-t-il pas apparu pendant son séjour dans cette sorte de purgatoire? Ses différents services au presbytère et jusqu'à sa fonction de basse chantante dans le chœur de la cathédrale de l'archevêché. Plus tard, il se voit employé au consistoire, dans la régie des alcools, dans la police, dans les mines d'or, à la municipalité. Il entend encore son professeur lui dire « Tu perdras la tête, mon ami, tu es trop précoce, et un jour tu seras entraîné par la propre force de ton orgueil qui ne connaît pas de bornes. » En effet, il y avait quelque chose d'anormal dans l'esprit de Bashka. Doué de multiples talents, avec ce pli philosophique qui lui était propre, très ingénieux, il a essayé de toutes les carrières, il a fait tous les métiers, et de prime abord, il est sympathique à tout le monde. Mais il ne tarde guère à s'aliéner les gens, et successivement, il abandonne emplois et métiers pour courir dans la rue qui le fait vivre. Dans ses moments de méditation, Bashka voyait bien qu'il glissait sur une pente rapide où fatalement il tomberait un jour, l'énergie de réagir sur lui-même lui ayant constamment manqué. L'orgueil lui rongeait lentement le cœur comme un mal contagieux qui détruit l'organisme sous une pression latente. Il s'adonnait à la boisson, c'est vrai. Il buvait déjà à l'âge de 12 ans. Mais qu'était l'alcool pour cette nature de fer? Étreint par une tristesse continuelle, il y cherchait l'oubli. Le succès même, loin de le réjouir, le plongeait dans le marasme. Dans son génie, il se sentait la force de déplacer une montagne, et en réalité, il ne faisait qu'attraper des souris, comme il le disait lui-même. Et c'est la conscience de sa force et de sa supériorité qui le perdit comme tant d'autres hommes de talent, qui fatalement furent réduits au même dénominateur, comme il appelait l'alcoolisme. Bashka, dans ses dissertations, aimait à citer ce mot du Bogatyr Svyatogor. La force de l'homme écrase l'homme comme un lourd fardeau. Il faut savoir comprendre cela, ajoutait-il. Dans la vie de Bashka, il y avait une lacune que l'on ne saurait s'expliquer. La femme, à ses yeux, n'était qu'une triste nécessité imposée par les lois physiologiques. L'auréole dont les poètes de tout temps l'ont entourée, qu'une drôlerie, une absurdité, un non-sens. Cet être vulgaire, cette race querelleuse, ne présente dans la nature qu'une forme transitoire, et comme telle, accuse toutes les imperfections d'une existence intérimaire. Au point de vue physique, il ressentait pour elle la répugnance, le mépris nourri chez lui depuis sa première jeunesse et qu'il l'avait suivi pas à pas dans toute sa vie pénible. En sa qualité de philosophe, Bashka haïssait la femme, comme le forçat est la chaîne même qu'il voit porter aux autres. L'idée de l'amour ne l'avait jamais hanté. Il n'éprouvait pas la moindre aspiration pour ce sentiment naturel et vivait en véritable ascète. En effet, ayant à peine connu sa mère, il ne se rappelait pas les tendres soins, les douces caresses qu'il reçut dans son enfance, il grandit en sauvage et ne rêvait qu'à la vie monastique.
le hasard jetant la figure et médaillon sur son passage, cette rencontre fit naître en lui un sentiment dualiste. Son mépris pour la figure grandissait à mesure qu'il l'appréciait, et son affection s'élevait en sens inverse pour médaillon. Cet embryon de Bashka, ce rapprochement de son propre prototype, de son idéal. Comme s'il retrouvait en son jeune ami une partie de lui-même, et précisément ce qui lui faisait défaut. Si singulier que cela puisse paraître, Bashka nourrissait pour médaillon un sentiment paternel, comme s'il eût voulu se voir perpétuer dans cet organisme chétif. Le sentimentalisme des deux amants, leur tendresse réciproque, leur révoltait jusqu'au fond du cœur dans les premiers jours. Cependant, une existence nouvelle se dévoilait devant lui et pas à pas, il marchait vers un monde qu'il avait ignoré jusqu'ici. La figure aimait médaillon et Bashka, sous une forme réfléchie, goûtait ce sentiment étranger pour lui. Il se sentait envahi par une tristesse nouvelle comme s'il eût perdu quelque chose de précieux. Se concentrant en lui-même, il luttait avec ce sentiment comme on lutte avec un ennemi mortel qui vous attaque par derrière dans l'obscurité. « Absurde bête !» grommelait-il en prenant sa tête dans ses deux mains. Pouvait-il donc aimer la figure, cette femme d'un aspect si sale, si ruinée de santé, qui ne ressemblait pas plus à une femme qu'une savate qui bâille ne ressemble à une chaussure neuve ? Bashka possédait un physique trop vigoureux, trop sain pour ne pas ressentir du dégoût pour cette femme. Cela ne l'empêchait pas néanmoins de voir en elle une autre femme éclatante de beauté et de fraîcheur. Cette femme qui autrefois, par son sourire seul, pouvait faire des heureux. En passant ses nuits au chevet de la malade, il se remémora son passé. Il la voyait sur la scène, du haut de l'amphithéâtre où il avait sa place, souriante et folâtre, communiquant sa gaieté au public. Et à présent, l'homme le plus philosophe ne saurait concilier dans son esprit cette impitoyable déchéance. La forme est là, mais la substance s'est volatilisée. La pauvre créature gisait sur son lit, les yeux toujours fermés. Il y eut un moment où Bashka pensa qu'elle allait mourir, et un sentiment de fureur s'empara de lui en présence de l'impuissance de l'homme devant le mal. Austère, inflexible, avec sa santé de fer, il se voyait plus faible qu'un enfant, et comme cet enfant, il ne pouvait pas faire autre chose que d'attendre. Il eut surtout une nuit cruelle à passer. Enfin, une crise amena un mieux sensible chez la malade, et pour la première fois, elle s'endormit du paisible sommeil de la convalescence. Le lendemain, en s'éveillant, elle demanda à manger. « Je me sens mieux !» fit-elle en serrant la main de Bashka. Ce mouvement involontaire de la figure gâta tout. Bashka eut alors le regret qu'elle ne fût pas morte, et furieux, il se fit d'amers reproches d'avoir perdu son temps dans ce sous-sol. La vérité est qu'il se sentit troublé, très bête et honteux devant la convalescente. Bashka entre dans une nouvelle période. Il disparaît toute la journée et ne revient chez médaillon que le soir. La convalescence de la figure progresse rapidement. Son jeune organisme reprend le dessus. Elle ne songe qu'à manger. Sur son grabat, elle passe son temps à inventer de nouveaux plats. « Savez-vous ce que j'éprouve ? » dit-elle un soir que médaillon et Bashka se trouvaient près du feu plongés dans leur méditation. « Il me semble que je viens de renaître. L'autre jour, je m'éveillais et me trouvant seul ici, il m'a semblé que j'étais encore une toute petite fille vêtue d'une robe d'été en mousseline blanche mouchetée de rosée, très courte et d'un pantalon brodé. Je portais une chemise toute blanche en batiste très fine et j'avais les cheveux attachés par un ruban. Que c'était drôle ! Mais hélas, tout cela n'était qu'un rêve. Je me sentais si légère et si à l'aise que j'en riais. » Ce récit fit enrager Bashka. Il saisit son bonnet et se sauva sans rien dire. « Qu'est-ce qui lui prend donc ?» demanda la figure toute perplexe. « Est-ce qu'on sait ?» reprit médaillon avec indifférence. « Il est si original dans tout ce qu'il fait. » Bashka passa cette soirée à boire à Plevna. Il s'ouvrit à son ami intime Kornilitch et soulagé par cette confession volontaire, il finit par faire le serment de ne plus retourner chez médaillon. « Au diable ces gens-là » approuva brièvement Kornilitch. « Une robe blanche, une petite chemise toute blanche, comprends-tu ? Et encore cette chemise en batiste très fine. Et dire qu'elle a rêvé tout cela, en voilà une âme vile. Et puis un ruban aux cheveux, sacré tonnerre !» Dans cet état d'ivresse, Bashka maudissait toutes les femmes en général. Mais le lendemain,
À la nuit tombante, il entrait de nouveau chez Médaillon. D'un air austère et morne, il fumait une à une ses cigarettes de mauvais tabac, qu'il roulait une à une fiévreusement dans du grossier papier. Il passait dans cette rue et était entré pour se réchauffer. Pas une seule parole ne fut adressée à la figure. Il faisait semblant d'ignorer sa présence. En quittant ses hôtes, il ferma sur lui la porte avec tant de rage qu'elle se décrocha de l'unique gond qui la retenait. Dans ces circonstances, il dut rester et sa visite se prolongea alors plus longtemps qu'il ne l'avait compté. Mais il fit preuve d'une grande fermeté de caractère en ne desserrant pas les dents de toute la soirée. Une fois dans la rue, il chemina à grands pas pendant de longues heures, mûrissant un projet et ne cessant de pester contre lui-même. « Ah ! Quant à cela, je vous demande pardon !» dit-il à haute voix en foulant la neige fraîchement tombée, dont la blancheur éclatante le fit penser de nouveau à cette maudite chemise fine en batiste. « Flûte ! C'est trop fort ! Au diable !» Depuis quelque temps, très actif, Bashka travaillait fiévreusement et avait réussi à faire aboutir une masse de petites affaires. Des milliers de pétitions et d'actes de procédure s'envolaient de sa plume habile pour se diriger sur toutes les instances des administrations. Il gagna beaucoup d'argent et trouva l'occasion de placer Médaillon comme clerc chez un notaire. On travaillait, en un mot, tout allait comme sur des roulettes. Quelquefois le soir, pour se réchauffer, Bashka entrait chez Médaillon, y fumait quelques cigarettes et disparaissait de nouveau. Il gardait toujours son air austère avec la figure, qui était déjà en état de faire quelques pas dans la chambre et qui prenait plaisir à s'asseoir au coin du feu. La maladie l'avait changé complètement. Son visage ne gardait plus trace de sa bouffissure d'ivrognesse et présentait un ovale gracieux. Sa peau fine avait repris sa blancheur légèrement rosée. Ses yeux accusaient un regard pur et serein, comme chez un enfant qui vient de s'éveiller. « Et ni, c'est fini, je ne touche plus aux alcools !» répéta la figure pour la centième fois. « Pas une seule goutte. Tu as une place, et de mon côté, je vais trouver de l'occupation. » Je me ferai souffleur au théâtre, je prendrai une place de demoiselle de magasin. Bref, nous nous arrangerons. » Bashka écoutait ses louables projets en souriant ironiquement. Il était exclusivement préoccupé d'une idée philosophique, et à tout propos, entamait des discussions avec Médaillon, ou plutôt cherchait à le taquiner et le battait sur tous les points. Un soir, la discussion dégénéra en véritable querelle. « Vous, Médaillon, vous n'y entendez rien, voilà !» coupa court Bashka. Quelle race représentez-vous? Pourrait-on se demander si l'on voulait se donner la peine de vous analyser? Il n'y a rien à faire qu'à cracher dessus, et encore, ne resterait-il pas grand-chose à essuyer? Tout est dit. Cependant, Bashka, lui répliqua Médaillon, atteint au vif, tu te permets un langage trop fort. Ah, vous êtes habitué à ce qu'on vous caresse les cheveux, à ce qu'on vous approuve en tout. Ah, hurla Bashka inopinément. Un crevé de lycéen et sa philosophie. Ha ha! Écoutez, monsieur, vous n'êtes pas poli, ajouta la figure. Pas poli, répéta Bashka blanc de fureur et en accentuant toutes les syllabes. Et toi, Figoura Ivanovna, de quoi te mêles-tu? Va-t'en au diable! Entends-tu? Je n'y mettrai pas tant de façon, moi. Tais-toi ou je te prends par le chignon et je te colle au mur. Comme toutes les personnes qui ont tort et qui veulent avoir raison, Bashka se mit à jurer à tout rompre, cherchant à se venger sur Médaillon qui n'y était pour rien et qui poussa seulement un sourd grommellement, ce qui exaspéra encore davantage Bashka. 6. Les affaires à Plevna allaient de mal en pis et les habitués attribuaient cette décadence au séparatisme de Bashka. Bien que celui-ci n'eût pas cessé de fréquenter l'établissement, car il y venait encore assez souvent, ce n'était plus comme par le passé, il n'y était plus corps et âme. J'ai donc subi l'autre jour une véritable aberration d'esprit, se disait mélancoliquement Vanka Kain en contrôlant sa recette de la journée. Ça ne m'eût pourtant pas coulé, continua-t-il, de lui offrir un petit verre. En effet, qu'est-ce qu'un petit verre d'alcool? Rien, on s'en fiche. Et maintenant j'en paye les conséquences. Mais aussitôt un démon s'agitait en lui, l'incitant à ne pas céder devant Bashka. « Eh quoi ! Après tout, on saura bien se passer de lui. Les marais ont assez de diables pour remplacer cet homme. » Toujours poli, affable en apparence, il gardait ses anciennes manières d'agir envers Bashka, mais il ne pouvait dissimuler le revers de la médaille, et il n'attendait que le moment propice pour s'en venger.
Malgré la recrudescence des affaires qui précèdent ordinairement les fêtes de Noël, Vanka Cain se ressentit cruellement du vide fait autour de son comptoir, ce qui contribua à affermir dans son esprit cette idée de vengeance. Et pour comble de misère, un autre cabaret venait de surgir à côté de lui, ce qui ne pouvait être que l'œuvre de Bashka. « N'est-ce pas ce qui arrive toujours ?» disait Vanka Cain en s'épanchant auprès de ses clients et en prenant l'air intéressant d'une victime. « Nous avons un dicton populaire qui dit « Ne donne asile à personne si tu ne veux pas avoir d'ennemis. » C'est parfaitement vrai. Il a été bien aise de me trouver pour manger chez moi quand il n'avait pas le sou. Et maintenant, il me cherche chicane. Dans le temps, tous les paysans se réunissaient ici comme dans une officine. C'était une véritable succursale des tribunaux. Où sont-ils à présent ? C'est rasé. Adieu, mes amis. La machine est arrêtée comme si son ressort principal était cassé. Et tout cela pour me récompenser de mes bienfaits. Oui, ajoutait Cain sur un ton sournois et rageur. Il en était de même des habitués de la salle réservée qui ne se sentaient plus à leur aise. Leurs propres affaires ne marchaient pas sans Bashka. Il leur manquait son esprit inspirateur. Et dans leurs pensées, ils rejetaient tous leur insuccès sur leur ex-ami qui n'y était pour rien. Kornilitch, après avoir perdu au billard parce que sa main commençait à le trahir et son œil à s'affaiblir, en accusait Bashka. Trouba, ayant reçu des coups de poing dans une auberge pour son fameux sou, c'était encore la faute de Bashka. Plus d'une fois, l'inoffensif Skoklik, lui-même, allant se coucher le ventre creux, s'en prenait à la conduite étrange de son ancien protecteur. Quelques jours avant Noël, il y eut une triste journée. Par un temps épouvantable, sous les tourbillons de neige incessants, où le passant grelottait dans la pelisse la mieux fourrée, nos amis réfugiés dans leur salle du cabaret ne pouvaient sortir, n'ayant même pas pour eux trois un bonnet de fourrure. Languissant, ils attendaient que le hasard leur envoyât un bon génie. Leur situation était vraiment critique, et comme pour les exaspérer davantage, alors qu'ils étaient là à claquer des dents, ils voyaient passer dans la rue une foule de gens chargés de provisions, les uns portant des oies grasses, les autres des jambons appétissants et de superbes saucisses. « Le diable devrait bien nous envoyer Bashka !» dit en grognant Kornilitch et en jetant un regard mélancolique du côté de la porte qui s'ouvrait. « On dit qu'il se promène à présent en pelisse avec un col de castor. »« Ah, l'espèce de chien !» jura Trouba. « Allez, ce qu'il y a des gens chanceux dans ce monde !» Au moment où la désolation des amis était au comble, sur le seuil du cabaret, apparut notre ancienne connaissance, la figure, déjà grisée et tenant dans ses mains engourdies de froid un paquet enveloppé dans du papier. « Bashka est-il là ? » demanda-t-elle à Vanka Cain, qui la regardait d'un œil hagard, comme s'il allait la dévorer vivante. « Il y était, il n'y a pas longtemps. Mais c'est fini !» lui répondit-il sur un ton railleur et galant, comme d'habitude. « J'ai à vous parler. Je suis tout à vous. Je vous écoute. Qu'y a-t-il donc ?»« Pas ici. C'est un secret. » Cain, qui connaissait parfaitement la nature de ses secrets, d'un mouvement de tête, désigna la porte de sa chambre. La figure s'y glissa avec la dextérité d'un lézard. Akulina Mirevna, qui faisait un somme, douillettement couchée sur son lit de plumes, accueillit la visiteuse d'une façon fort malveillante et, sans lui adresser la parole, d'un geste brusque, lui arracha son paquet qu'elle se mit à défaire brusquement en arrachant le papier par lambeaux. Elle déplia une magnifique chemise de femme en batiste fine richement garnie de dentelles, une robe en mousseline blanche mouchetée de rose et un petit ruban bleu. « Ce sont probablement des effets volés qui nous amèneront bientôt devant le tribunal, » dit Akulina en les regardant de près devant la fenêtre. « Non, ma petite mère, il n'en faut pas. Notre établissement n'est pas de ceux où l'on spécule sur les objets volés. « Je puis vous assurer qu'il n'y a rien de volé, » articula la figure d'un ton convaincu. « J'accepterai ce que vous voudrez m'en donner. « Conte-moi tes fables, nous les connaissons. » En vérité, Akulina convoitait cette belle chemise et cette jolie robe de mousseline, à laquelle elle rêvait depuis longtemps. Mais elle ne pouvait se priver du plaisir d'humilier cette femme qu'elle haïssait profondément et de le faire à la pose. Son bonheur eût été de la battre. Les mains lui démangeaient à tel point qu'elle avait envie de la gifler. Mais cette robe de mousseline qu'elle convoitait faisait bien son affaire. Et de nouveau l'examinant de plus près, « Comment de tels objets sont-ils entre tes mains ?» dit-elle en traînant les syllabes. « En quoi cela peut-il vous intéresser ? Ces effets sont à moi. »« Ils sont à toi !»
Et si on te les achète et qu'on les porte, on sera vite emmené au poste de police. Ah, mon Dieu, mais je vous les laisserai bon marché. On n'en a pas besoin, coupa court Akulina en chiffonnant la robe pour la rouler. Avec vous autres, on ne peut s'attendre qu'à des ennuis. Fiche-moi le camp. Écoutez, je vais vous confier de qui je tiens ces effets, mais je vous prierai de n'en rien dire à personne. Eh bien, c'est Bashka qui m'a donné tout cela. Oui, il est si original. Hier soir, Médaillon n'était pas encore rentré de son bureau, j'étais seul à la maison, quand j'entendis son pas bien connu. Je feignis de dormir pour voir ce qu'il allait faire. Sur Dieu, je vous le jure, il entre. Me croyant endormi, il s'approche furtivement de mon lit, dépose ce paquet sous mon oreiller et se sauve en toute hâte. Parole d'honneur, je n'ai pas ajouté un mot. Quelle est la fantaisie qui lui a pris? Je n'y comprends rien. Combien veux-tu donc de cela? Vous me donnerez 5 roubles du tout. Ces objets en valent plus de 20. Tu vas bien te contenter de 2 roubles. Mais ces effets sortent d'un magasin de nouveautés. Enfin, le marché fut conclu pour 3 roubles. La figure froissa ses 3 roubles papier dans sa main et se dirigea vers la pièce réservée aux habitués où elle se fit servir 3 bouteilles d'eau-de-vie et quelques hors-d'œuvre. « Messieurs, dit-elle à nos amis, nous allons faire la noce. Sans façon, ne vous gênez pas. Buvez. Je vous en prie. Ha ha! Le premier verre descend lentement, comme un pieu qu'on enfonce. Le deuxième passe sans peine, comme un faucon qui s'élance dans l'espace. Et les autres glissent rapidement comme de légers petits oiseaux qui voltigent dans les airs. » Et la fête commença. Cornilitch et Trouba oublièrent leur misère, en avalant précipitamment un à un leur petit verre. L'inoffensif Skoklik y prit également une large part. Mais la palme de cette orgie revenait de droit à l'auteur du festin. La figure compléta rapidement son état d'ivresse et, souriant, d'une voix alcoolisée, raconta différentes anecdotes sur Bashka. Elle refit le récit de son dernier cadeau. « C'est un très brave garçon, dit-elle, entraînant ses paroles et en gesticulant. Il n'a pas même oublié le petit ruban bleu du rêve. Quand j'étais enfant, oui. Qu'est-ce qui vous fait donc rire ?» Échauffé par l'alcool et encouragé par l'attention que lui prêtaient ses auditeurs, elle recommença son récit, comme une actrice sur la scène en déclamant le personnage de Bashka. Ne cessant de grimacer et de gesticuler, emportée par ses gestes comiques, elle faillit plusieurs fois s'étendre sur le parquet. Cette représentation gratuite amusait beaucoup le public du cabaret. Vanka Kain en riait jusqu'aux larmes. « Quelle peste que cette créature » murmura-t-il en se tordant d'un rire inextinguible. « Ah, Bashka !» Au point culminant de la gaieté, lorsque tous les buveurs de Plevna y prenaient largement leur part, Bashka venait d'entrer. D'un geste rapide du doigt, Vanka Kain l'appela à son comptoir et étala sous ses yeux la chemise et la robe dont il était devenu possesseur, sans oublier le petit ruban bleu. Et partant d'un éclat de rire, « N'est-ce pas que c'est une jolie surprise ?»« Ha ha ! Et maintenant, va donc voir le beau spectacle que nous donne ta figure !» Un moment, Bashka demeura saisi et Vanka Kain, d'un geste brusque, le fit avancer jusqu'au seuil de la petite salle, où la figure répétait pour la 10e fois la représentation de la légende de son cadeau qu'elle modifiait à sa manière. Le public l'applaudissait à outrance et riait à pleine gorge. Bashka, pâle, plus blanc qu'un linceul, la contemplait d'un long regard. « Tu la vois ?» souffla Kain à son oreille. « Oui. Et c'est vrai ?» insista-t-il. « C'est vrai !» Les habitués s'étant aperçus de la présence de Bashka, se turent tout à coup, et un à un s'éloignèrent de cette femme qui resta seule au milieu de la pièce, plongée dans un complet état d'ivresse. Et Bashka, ahuri, immobile, restait là, comme devant un spectacle invraisemblable. « Ah ! Assomme-moi donc ça !» l'excita Kain en le poussant légèrement vers la figure. D'un œil sombre, Bashka fixa un instant le cabaretier en lui lançant un sourire plein d'ironie et de mépris. Puis, d'un pas chancelant, se dirigea vers la porte. « Attends ! Où vas-tu ? Prends donc au moins ton bonnet !» lui cria Vanka Kain. Mais Bashka, déjà loin, ne l'entendit pas. Depuis, on ne le revit plus à Plevna. Il disparut à tout jamais de Propadinsk. Thank you.
Thank you.